Le CELS originel, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, a un nouveau secrétaire général en la personne d'Amadou Bambandoye qui a remplacé à ce poste Oumar Wali Zoumarou. En effet, le congrès du 24 novembre tenu à Thiès a confirmé l'exclusion prononcée par la commission administrative et a procédé à l'installation de son nouveau secrétaire général. Ont été prises. 1. L'exclusion définitive de M. Oumar Wali Zoumarou du CELS originel. 2. Confirmation de M. Amadou Bambandoye comme secrétaire général national du CELS originel. 3. Abdoul Moussa Watt, nouveau trésorier national du CELS originel, en remplacement de M. Abdoul Aziz Fall. 4. Réduction du mandat du secrétaire général national de 5 à 4 ans. Renouvelable une seule fois. Donc maintenant, pour toutes ces mesures prises, les autorités administratives seront avisées, inshallah, lundi. Actuellement, on a 18 sections présentes et 5 procurations. Sur combien ? Sur les 25 actuellement qu'on a. Il y a aussi des sous-sections. Mais les sections, il y en a 25 sections. Les 18 sont présents, les 5 ont envoyé leur procuration. Venus de différentes localités du Sénégal, les congressistes du CELS originel accusent leur désormais ex-secrétaire général de mauvaise gestion du syndicat. Les raisons qui ont poussé le congrès à exclure M. Oumar Wali Zoumarou du syndicat des enseignants libres du Sénégal originel. Il faut noter qu'il y avait une rencontre de l'ADAGE tenue ici à Thiès sur la refonte du fichier sur les check-off. Ils avaient constaté que plusieurs enseignants étaient coupés sur plusieurs syndicats en même temps. Donc il fallait faire la refonte du fichier. Et sur cette refonte, M. Oumar Wali Zoumarou en a profité pour dire aux CELS originaires qu'au lieu de 3 millions de francs que le syndicat recevait comme virement, nous ne recevons actuellement que 180 000. Il y avait aussi un prêt de 6 millions à l'insu du syndicat. Entre temps, il y a une réunion de CA qui s'est tenue, mais le problème n'a jamais été posé. Mieux, il avait même demandé lors d'une réunion de bureau à ce qu'un compte soit fermé et qu'un autre compte soit ouvert. Le BEN avait donné son accord. En même temps, il est reparti à l'insu du syndicat réouvrir sur la même banque un nouveau compte. C'est sur ce compte qu'il a fait le prêt de 6 millions au nom du syndicat. Et il y a d'autres comptes au nom du syndicat qui sont ouverts un peu partout. Pour toutes ces décisions prises, il y aura peut-être, si éventuellement M. Oumar Wali Zoumarou s'entête à rester à la tête du syndicat, qu'une poursuite judiciaire sera engagée. Les membres du congrès du CELS originel ont regretté la confusion installée par l'engagement de celui qui est devenu leur ex-secrétaire général dans le champ politique. Le premier a déclaré son appartenance à une mouvance politique, c'est M. Oumar Wali Zoumarou. Ça a été débattu longuement lors d'une réunion de Ben. On lui avait même dissuadé de ne pas faire de la politique pour ne pas mêler les activités du syndicat à la politique. Malheureusement, il s'est entêté, ce qui a peut-être, quelque part, réduit les activités, la chance même que le syndicat devait avoir lors des élections de représentativité. Beaucoup de nos militants ont quitté le syndicat à cause de son entêtement à faire de la politique. Aujourd'hui, nous qui sommes là, nous voulons réorienter le syndicat. Nous ne voulons pas que le secrétaire général même soit politique, parce qu'on va mettre ça dans nos textes. Le secrétaire général de ce syndicat sera apolitique, maintenant libre à tout un chacun de faire la politique
mais quand même qu'on ne mêle pas les activités du service originel à la politique. Interpellé sur le choix du Congrès, le nouveau secrétaire général se dit conscient de la mission, mais compte s'appuyer sur les membres du bureau et l'ensemble des membres du syndicat pour relever le défi. Voilà, les défis sont énormes. Il faut massifier l'organisation syndicale, il faut recoller les morceaux, il faut réhabiliter aussi la confiance qui nous lie avec les anciens. Donc les chantiers sont énormes, mais avec une équipe bien soudée, une équipe bien solidaire, je pense que c'est faisable. Ouais, c'est faisable.